Depuis le début de l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL sur TF1, de nombreuses familles sont devenues très suivies sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas des Gaïa, avec plus de 416 000 abonnés sur Instagram. Olivier et Sougdavon partagent leur quotidien avec leurs 9 enfants, âgés de 9 à 26 ans. Sur le réseau social, le 6 septembre dernier, c'est une rare photo de leur adolescent Rudy qu'ils ont publiée. En effet, le jeune homme n'apparaît que très peu souvent sur leur compte. Discret comme tout, on ne le voit que très peu, mais sachez que le seul adolescent de la maison est le plus proche de Sougdavon. Calme. Discret, rigolo. Rudy, c'est l'âme tranquille de la famille, avait écrit la famille en légende d'un cliché où il apparaît aux côtés de sa mère. Mais si les Gaïa sont beaucoup suivis, ils sont également très critiqués. En effet, comme de nombreuses personnalités, ils subissent du cyberharcèlement. Mais généralement, les parents de la grande famille effacent, bloquent, ou tout simplement, ne répondent pas aux commentaires négatifs. Comme ils le précisent à Télé Loisirs. Seulement, cet été, c'est tout un groupe en ligne qui s'en est pris aux familles de l'émission. Dont la leur. Et cette fois-ci, les Gaïa ont décidé d'agir de manière forte. On a déposé une main courante, car on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Quand ça concerne nos enfants, ça nous agace. C'est plus dur de ne pas répondre. Des fois, vu ce qu'on voit et ce qu'on entend aussi, on préfère laisser passer. Mais là, c'est aller beaucoup trop loin, confie Olivier à Télé Loisirs. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'histoires, parce qu'on les a bloquées. Mais je me demande vraiment pourquoi ce groupe a été créé. Le pire, c'est ce qu'ils ne nous aiment pas, mais ils étaient abonnés à nous. Certaines personnes sont tellement méchantes. Elles veulent uniquement attiser la haine. Mais tout cela nous donne la force de continuer. Ajouté de son côté Sougdavon. Une triste situation qu'il tente malgré tout de transformer en énergie positive.